Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Alors, mbote na bino nyoso bana mboka ba congolais. Na kanisi bo lekisi poso mobemba oti koleka mwa malamu malgré bitumbo oto zana yango. Bauta kiko kotala milulu elekaki na Kinshasa esika ba président ya ba mboka ya Afrique motoba bayaki wana. J'intitule cette intervention Le chat et la souris. Il y a un proverbe français qui dit quand le chat part ou quand il est absent, la souris danse. Mais malheureusement, tout le monde, l'air niaou à côté na kati ndako bampu kunyoso bakangi monoko bakomi kimia bazo ko trembler na ko banga bakanisi bakolia bango bomoni photo oyo za ko circuler na ba réseau photo na vidéo esika bomoni mobomi ya ba congolais président ya Rwanda Paul Kagame anyati officiellement je pense ça fait trois fois mabele ya Congo bien que toyibike ayaka na Congo en cachette mbala mingi même chose avec ce soi-disant faux généraux qui viennent au Congo bayaka mbala mingi. Bon, je les appelle faux généraux parce que pour impressionner le Congo et les Congolais, chaque militaire rwandais ou burundais qui arrive au Congo devient général, devient colonel, devient major. On ne sait pas comment est-ce que tout un pays, tel que le Rwanda, peut être rempli des officiers supérieurs. Ba sergent bazalakate, ba adjudant bazalakate. Ba généraux, ba major, ba colonel, dès qu'ils traversent la frontière, tous sont des grands officiers de haut rang. Je disais donc, naba officier naye, naye moko, ba yaka na Congo, presque mi colonios, ba mona na ka, ba la mingite. Mais tu ibi ki akomaka officiellement pour la première fois, l'ère et la célébration, la cérémonie d'indépendance na biso à l'époque, après que Kanambe ait tué Chebeya, na moninga naye. Ayaki lisusu, la stade, lors des obsèques na matanga ya Etienne Tshisekedi mpemba la oyo donc trois fois officiellement aye na Congo aye kolakisa ke yende moto azalaka président ya Congo okiko yamba mopaya na ndoko na ndako na yo et puis opesi ale kaliboso yo za sima na ye die moto akomi ko guide yo amema yo wapi na ndako ezali ayete preuve que bato oyo bazo continuer ko kumisa Félix complicité na fanatisme na bango za ko refléter bozoba na bango ke baza bazoba IDPS en général c'est un pays de enfin un parti de fanatiques, un parti de gens sans tête, un parti de gens dont le cerveau ezali muke neti ya mbisi. Pombisi ezalaka soki otika kama eloko moko na amson to quelque part mona ye akomela yebite eloko nini eza na kati tango bakolongole na kati ya mai akomi na mokili akomi obeta beta nzoto na mapapu na ye na mokila na ye il est déjà une proie de celui qui va les frire, celui qui va les manger. Il dépèse na bato nango ezali ndenge wana tozolala te na Congo mikolo nyonso fachi beton.
Fatshi Béton. Mikolonyoso, IDPS, Babunda pour 36 ans ou 38 ans. Lite oyo, papa Etienne Asala, papa Etienne Asala, lite nini. Lite à complicité, tout est connu. Que depuis longtemps, il a été un complice. Alors, M. Paul Kagame, n'a pas complice naïe, baye na Congo sous prétexte yakouya ko tenir conférence ya droit ya basi et la protection de la femme. Bien que parlement na sénat ya Rwanda et tondani na basi une stratégie pour lui de percevoir badon pour balbaki, il y a égalité du genre chez lui. Mais nous connaissons combien les femmes sont persécutées au Rwanda. Nous connaissons. Opposante au Kagame Otia nanani na la prison, une certaine Victoire Ingabire. On a les maltraitances d'abord c'était. N'abat mususu besoin qu'on viole la Rwanda. Vous venez chez nous sous prétexte de parler pour la femme. Alors que c'est toi, M. Paul Kagame, le grand violeur des femmes, toi et tes faux militaires au Bazokoyana Congo. Le principal violeur des femmes, c'est toi, Paul Kagame. Et tu crois que vraiment tu fais la politique en mentant. Parce que le regretté frère Mbanda a intitulé stratégie de chaos et de mensonge. Tu penses vraiment, M. Paul Kagame, que tu fais une politique? Pour toi, la politique signifie le mensonge, le vol et le viol? C'est ça la politique pour toi? Des chroniqueurs de très bonnes stations patriotiques ont déjà tout dit sur Rezoni Nio Yeraki na Congo. Ce n'est pas pour défendre les droits de la femme. C'est une honte pour toi de venir mentir au Congo, toi et ton proconsul Félix Tshilombo. Monsieur Paul Kagame, tu dois savoir que chaque chose a son début et sa fin. Tu es tellement content, tu es satisfait que tu es le leader de la région du Grand Lac et que toi et Museveni, vous serez des éternels. Tu te trompes. Tu n'as aucune force, monsieur. Tu as un petit soutien temporel d'ailleurs des Occidentaux qui bientôt vont te lâcher. Et désormais, il faut qu'on t'appelle Monsieur Citron Paul Kagame. Pourquoi citron? Bien, quand on a besoin du jus de citron, on presse le citron après l'avoir divisé. On récupère les jus et puis l'amande et l'écorce, on jette quand on n'en a plus besoin. C'est comme ça qu'on va faire de toi avec le temps qui passe. Tu ne seras pas différent des autres qui t'ont précédé, monsieur. Tu ne seras pas différent. Beaucoup de gens t'ont répété ce que je t'ai dit. Je ne fais qu'enfoncer le clou. Monsieur Kagame, tu n'as pas la même force et les mêmes richesses qu'avait Saddam Hussein, qu'avait le maréchal Mobutu Sese. Tu n'as pas des ressources comme ce qu'avait Charles Taylor au Liberia. Simplement, ces trois personnalités là-bas ont tout donné. Tout donné aux Américains et plus précisément aux Occidentaux. Mais quand ils n'en voulaient plus,
Ils les ont lâchés. Et ils se sont étiolés. Il allait dire, mais avec toi, ça ne sera pas différent. Ça ne sera pas différent. Tu n'as rien. Tu n'es pas plus grand et plus puissant que Hitler. Hitler n'avait aucun soutien d'autres pays. Il était seul et se basait sur les richesses de l'Allemagne. Et il a pu terroriser le monde entier, se basant sur sa propre puissance. Toi, tu n'en as pas. Tu n'en as pas, monsieur Citron Paul Kagame. Tu n'en as pas. Tu crois que ton mensonge ira tous les jours grandissant, que les gens vont continuer à te soutenir pour que tu continues à faire du mal au Congo et au peuple congolais? Il y aura un temps où les gens vont se débarrasser de toi et tu vas t'étonner et tu répéteras la phrase que Mobutu a répétée des retours de la France où il était allé recevoir des soins intensifs, des soins médicaux intensifs. Tu diras ceci, on m'a poignardé dans les dos. C'est une phrase mémorable et historique de Mobutu. Toi aussi, des Occidentaux, te poignarderont dans les dos. Et tu ne pourras plus changer leur décision. C'est une honte pour nous, les Africains, qu'un nombre des Africains se ligue contre un seul pays. Alors je ne vois pas la raison d'être de l'Union africaine. Si jamais moi je prenais le pouvoir, dans mon manifeste, donc mon projet de société, la première chose sera de quitter l'organisation de l'Union africaine au Congo. Nous devons quitter l'organisation de l'Union africaine, si temporairement que soit, mais nous devons quitter. Parce que nous n'avons reçu aucune aide de l'Union africaine. Par contre, tout le pays sont contre nous. Peut-être à l'exception du Sénégal, quand on voit les déclarations d'un président tel que Macky Sall, qui a ouvertement condamné l'exploitation, le pillage et les sévices dont les peuples congolais sont victimes. Mais les autres pays, ce sont des vautours. Alors, je ne vois pas la raison d'être de notre appartenance à l'Union africaine et à beaucoup d'autres organisations, tant régionales que sous-régionales, telles que la SADC. On n'en a pas besoin. De deux, je fermerai toutes les frontières. Et les trois, je renverrai, José, illico, tous les représentants des ambassades et des pays qui nous ont agressés, en attendant qu'il y ait un rétablissement après négociation et accord diplomatique avec ces pays, plus tard, pas si tôt. J'ai suivi un débat sur un plateau de télévision de quelques membres des UDPSiens, de l'UDPS donc, et d'autres partis. Un d'eux a osé dire, nous sommes condamnés à vivre avec le Rwanda parce que c'est notre voisin naturel. Mais on n'en a pas besoin. Nombreux pays ont toujours vécu en chef de faïence. Et les exemples sont légions. La Corée du Nord et du Sud sont des frères. Mais il y a une limite militarisée entre les deux Corées où personne n'ose passer. Oui, certains ont réussi à traverser les mailles des fils barbelés et d'autres qui étaient malchanceux, qui avaient osé traverser, ont été abattus.
Comme je disais, si moi je prenais le pouvoir, la première chose, c'est militariser toute la frontière ou toutes les frontières. Et pourquoi pas construire des murs comme des murailles de Chine. Ce serait le premier emploi à donner aux Congolais. On dénombrera aussi tous les étrangers, surtout les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les assembler et les ramener chez eux. On ne va pas vous tuer. Parce que nous savons que vos pays redeviendront pauvres dès que nous fermons les frontières et ça sera fini. M. Kagame, ne pense pas que l'occupation du Congo sera éternelle. Et ne pense pas que cette balkanisation à laquelle tu rêves aura lieu. Plusieurs fois, nous t'avons dit que nous ne sommes pas les premiers pays à être envahis, dominés. La grande Chine d'aujourd'hui avait été envahie par le Japon et occupée. Il y avait des sévices comme ce qui se passe au Congo. Il y avait cette longue guerre entre les deux Corées. Le Japon avait occupé aussi la Corée du Nord pendant longtemps. Le Japon avait défait la Russie et occupé une partie de la Russie. L'Amérique et les autres puissances ont occupé le Vietnam. Le Vietnam des bouts d'hommes. Et les Vietnamiens, avec le temps, les ont poutés dehors. Le rêve américain de broyer l'Amérique, enfin le Vietnam, ne s'était pas réalisé. Par contre, ils se sont satisfaits en tirant des films inutiles tels que Portée disparue 1, 2 et 3 avec l'acteur américain Chuck Norris. Ce sont des films nostalgiques pour chercher à dévier l'opinion publique et montrer la toute puissante Amérique alors qu'ils avaient été défaits. Et l'illustration la plus récente, c'est celle du débâcle des Américains en Afghanistan. Je peux encore te rappeler du débâcle de l'armée libyenne avec Kadhafi dans la bande d'Aouzou que la Libye avait envoyé pendant un moment. Et que dire de la grande marche du roi Assandé au Sahraoui? Il y a plusieurs exemples comme ça où des fous ambitieux, faux leaders comme toi, Kagame, ont rêvé de broyer toute une nation. Mais on finit par être défait. Il en sera de même avec toi, Monsieur Citron, Paul Kagame. Quand tu as foulé tes pieds sur Kinshasa, tu étais très content parce que tu rêves toujours d'être le président du Congo. Tu n'es pas satisfait de l'exiguïté de ton pays. Tu n'es qu'un menteur, un voleur. Tu n'es pas un politicien. Je dis bien que, après qu'on t'ait froissé, on va te jeter comme l'écorce d'un citron. Il y a des gens comme toi et des organisations comme celles que tu as mises en place qui ont dominé les gens pendant longtemps. Je te donne l'exemple, la colonisation a longtemps duré pendant des siècles et des siècles. Et avec le temps, certains éléments des mêmes colonisateurs se sont levés et ils ont dit, mais écoutez, ça ne doit pas continuer comme ça, de continuer à coloniser, à tuer les gens, à faire l'esclave, à pratiquer l'esclavagisme. Certains parmi les soi-disant blancs se sont ligués contre leurs propres frères, plus la résistance des Noirs. On avait mis fin
on avait aboli l'esclavage. L'apartheid a duré longtemps en Afrique du Sud, où le blanc venait investir, parce que tu dois savoir que le développement de l'Afrique du Sud ne manque pas de l'Afrique du Sud elle-même, ce sont des investissements pour la plupart anglo-américains, bien qu'il y ait aussi les Français et d'autres pays, d'autres puissances qui ont investi ici. Sous l'apartheid, ils ont beaucoup investi en soutenant le régime, un régime diabolique d'apartheid. Et à la fin, certains Européens, certains investisseurs ont dit non, lâchons prise. Et l'Afrique du Sud est restée ce qu'elle est. Et toi, vraiment, tu crois qu'avec tes petits pieds là, comme les bâtonnets d'un moustique, tu penses vraiment que tu vas broyer le Congo? Est-ce que toi, tu connais le Congo, toi? Monsieur Citron Kagame. Hein? Avec ta petite poitrine là-bas comme un criquet, ta petite tête là, comme la tête d'une mouche ou d'une sauterelle. Tes sales dents là. Tu es tellement laid que tu ne représentes pas le visage d'un pays. Compare-toi à certains présidents de certains pays. Ils sont beaux, ils sont présentables. Toi, tu es un maigrichon, une anophèle. Tu ne vaux rien. Tu es trop laid. Tu parles un mauvais anglais. Tu es seulement envieux et jaloux du Congo. Mais comme je l'ai dit, chaque chose a son début et sa fin. Ça va prendre fin. Tu t'accapares de l'aéroport de Goma aujourd'hui. Tu sais qu'il y a eu des pays qui ont été endettés et dont les investisseurs ont pris leur infrastructures. Rappelle-toi du débâcle de la Grèce. La plupart des pays méditerranéens, leurs aéroports, leurs voies ferrées, leurs autoroutes sont gérées par des étrangers parce qu'ils doivent de l'argent. Que dire de ton voisin, l'Ouganda, l'aéroport d'Entebbe ou Entebbe, et entre les mains des Chinois? Parce que malgré tout ce que vous volez au Congo, vous êtes chiche, vous ne parvenez pas à rembourser les dettes que vous avez contractées avec des pays investisseurs. L'aéroport de l'Ouganda, d'Entebbe, est géré, appartient aux Chinois. Que dire de la Zambie? Toutes les infrastructures, presque, de l'État zambien appartiennent aux Chinois. Ils ont pris les mines. Ils ont pris les voies ferrées, ils ont pris les aéroports et même la police nationale, les commissaires de la police nationale chinoise, enfin zambienne, étant chinois. Et toi, avec tout ce que tu fais, il va arriver un moment quand nous, les nationalistes, nous allons prendre le pouvoir, nous allons fermer toutes les frontières et tu n'auras plus de ressources de revenus. On va te demander les comptes. En ce moment-là, tu te rappelleras de mes propos d'aujourd'hui. Tu n'as pas honte de tuer d'autres frères africains, toi Kagame. Et tu crois que tu resteras pour du bon un héros? Le monde ne se souviendra pas de toi en tant qu'héros. Mais en tant que voleur, tu es un voleur, tu es un haineux. Ce Rwandais que tu as implanté au Kasaï, nous allons le chasser et le transplanter du Kasaï jusque chez vous, ou nous allons le tuer. Et cela va venir.
Ceci provient de moi, VIP, Jomadari VIP Kilkilele, pour le Congo de Lumumba, le Congo de Kasavubu, le Congo de Kimbangu qui n'était pas religieux et qui n'avait jamais créé une église, le Congo de Kimpavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Bon dimanche. Ba congolais nyo soto ba ngba iba il faut battre la racite nini. Ah, soko uzali congolais a solo et singeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Eh, tembete. Osasi. Soko di congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote et singeli otala bobele Congo dialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais a solo. Yango wana. Papa kunzeta lobi yango. Foko tala ka. Tina yangu ngai pena yeba kama kambo makolega kuna na bosa na te. Utala kapeka ka Congo dialogue. Tembete. Yeah, ata nazali congolais so ata ba mendele kwa kiko tala. Congodialogue.com.